clé de la porte est madame et son épouse et tous ses collaborateurs et qui ont couvert et je suis présent ce soir parmi vous. Fait que Dieu les fortifie. Travaillons en collaboration. Recevoir ce que nous devons avoir avec le Seigneur. Le temps a déjà passé. Nous allons faire courtement comme la queue de la chèvre. Afin que chacun de nous se lui pour se reposer. Le thème est Genèse au chapitre 1. On a déjà lu à plusieurs reprises. Et là-bas, je vais prendre aussi le taux d'hier. Car ça aide. À Jésus m'a signé, au nom de Jésus. La pays d'Abraham là. Ouvrez donc vos Bibles. Celui qui a sa Bible qui ouvre, nous allons nous aider. Tu vas arriver les oreilles et réparer tes yeux. Ah, cela aide. Je vais demander au blanc de lire premièrement. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. 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 La dit ainsi. Dieu, après avoir créé toutes les créatures, a donné l'autorisation à l'homme, la communion, la tournée, et la collaboration. Dieu lui a dit, domine sur toutes choses. Et il faut te multiplier dans toute la terre. C'est Adam qui a nommé toutes choses qui existent. Et tout ce qu'il appelle répond par son nom. C'est Dieu. Et Adam. Ils sont en collaboration pour travailler. Il a donné l'autorité de dominer sur toutes choses. Voilà pourquoi même ce soir, parce que l'homme possède toutes choses, il a fait toutes ses capacités pour savoir qu'il y a des choses dans le sous-sol. L'or, le pétrole, l'essence et toutes les bonnes choses. Parce que donc Dieu a donné l'autorité, a donné aussi la connaissance et la sagesse d'aller creuser et chercher ce qui est précieux en bas. Parce que c'est que là où il a pétri de ses pieds, c'est sa possession. Tout ce qu'il voit de ses yeux, dans la mer, sous la terre, c'est sa possession. Donc il cherche cela. Et même les forces orifières qu'on trouve, ça peut s'effondrer et tuer les gens. Et leurs tombes seront la force. Et ceux qui connaissent les empereurs disent, c'est-à-dire à notre grand-père Adam, de remplir la terre et de multiplier. Donc ça va être notre possession. Même si nous mourons là, nous allons chercher toujours. Les gens vont rentrer là-bas encore. Et fouiller les crânes humains. On sait que la force qui s'est effondrée, et l'or va sortir et consommer les corps. Il va consommer les cerveaux. Ils ne craignent pas la mort. Même si eux avaient bon mourir. Vous pouvez gagner l'or seulement. Alléluia. 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 Peuple de Dieu. Et Genèse chapitre 1, verset 28. Jusqu'au verset 29. C'est un verset court ainsi. Mais est-ce Dieu ayant béni l'homme, il dit de multiplier dans la terre,
La tronawa et dominer sur tout. La sauvez-vous au frein. Et prendre tout en possession. Ring le chef à la main. Est-ce que cela le suffit? Oui, la chambre pour toi, c'est que du chambre. Ce que Dieu a parlé, est-ce que c'est suffisant pour l'homme? Dieu a bien fait en tout cas. Et dans ta lumière sur le bac. Parce qu'il a été béni. Il est pas dans notre chambre au frein. Dans l'autorité de dominer sur toutes choses. Mais la honte et la peur que j'ai ce soir, qui sous le ciel un peu plus loin, vous allez voir là où je vais arriver. Donc, continue-moi. Et remplir la terre la soir. Et dominer sur elle. Parce que je veux qu'on soit rapide. Il va prendre le temps pour m'attarder. Genèse chapitre 3, verset 1. Genèse chapitre 3, verset 1. Genèse chapitre 2, verset 15. Verset 15. Pour voir ce que Dieu a fait là. L'Éternel Dieu prit l'homme. Après. Nous sommes en train de dire ça, je ne sais pas si là, au point, il y a un autre coup. Nous sommes en train de dire ça, mais il y a un autre coup. Au point, il y a ça, tu es à France, mais je ne sais pas si moi, je le dis. Là, la chaque année, il y a un autre coup, mais il y a un autre coup, il y a un autre coup. Tu sens bien, la vie de l'arrêt, Écoutez. Voici ce que Dieu a accompli. Ce n'est pas bien que l'homme demeure seul. La décision est de créer l'homme. Il est venu. Pour qu'il soit deux. Mais il n'est pas allé prendre la terre encore. Il a pris la porte de Adam pour qu'il puisse se comprendre, pour qu'il n'y ait pas de querelle. Deux personnes. Mais voici qui les a piégés. Il a déposé la mort et la vie devant eux. Ce soir, toi qui es mort comme moi, quel que soit ton titre ce soir, rappelle-toi qu'il y a la vie et la mort dans ta maison. Où se trouve ta maison? C'est ton cœur. La peur que j'ai, tu n'as pas donné seulement la vie, tu as déposé également la mort. L'arbre, si vous mangez, vous allez mourir. Il a béni. Il a rempli la terre par l'enfantement. La mort ne pouvait rien contre eux. On n'a pas promis la mort. On n'a pas promis le mal. On ne les a rien privés. Le ciel les appartient. La terre les appartient. Voici les plans qui montrent avec des visées au ciel. Ça donne l'autorité. Mais comment se fait-il? Avec tous ces honneurs-là, ça n'a pas suffisant pour l'homme. Et on lui dit, si tu marches, tu vas mourir. Vous m'avez dit cela. Dans le chapitre 3, si nous lisons, partie du 3, verset 9, nous allons lire. Genèse chapitre 3, verset 9. Nous avons un bon endroit à Sakaya. Il est au commun. Maman, il y a un grand. C'est un point.
la la bien tarama mamsia sala nyuna la mamso lo ne la bon so panye ya anto fo tu ya sala fo ya ti ninga mamse le fo ora ya bi cela la roma ye la me ya para ninga yam son komama ta sin ne mama ya ya ta di se komama tandi la juste le moyen so ko paraya ta ya bati fo mar wotu ta ye la me ya wafo mbela ba ai ai ne juste le moyen ye la wafa ya ta mo para nam sin ti mbela la ta wele to se se ta wotu se suffisant ainsi alors mettre un jabra qui est là ce soir. Chacun est qui est mal auto. À cet endroit, il a fait ceci. Ringa. Est-ce que quand les gens commettent le péché, ou bien une personne, ils prennent un avocat. C'est-à-dire que ce n'est pas bien. Nous avons une pensée que ce n'est pas bien aussi. Tous les deux savent. Nous avons connu ce qui n'est pas bien. Celui qui a fait des mots, c'est ce qui n'est pas bien. Voilà pourquoi Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Tu avais une femme qui était morte avant ou bien? Qui est là qui va accepter sa faute sans qu'on le mette sur lui? La femme que tu m'as donnée. Voici un homme qui parle de façon honteuse. C'est lui qui t'a donné la femme. D'après ces animaux tous passés devant toi, les animaux, les panthères, les lions. Tu as dit que c'est le loss de ta chair. C'est toi qui es demeuré avec moi. Est-ce que tu as donné la femme? Elle est la femme est passée. Juste comme là ce soir. C'est toi qui as porté la bague à la femme. C'est toi qui dépenses la bague pour quitter la maison. C'est toi qui as amené la femme. Vous savez qu'il a resté assis avec l'homme. Cela veut dire, nous qui sommes assis ici, nous amenons Dieu en jugement toujours. Parce que ce que Dieu a fait, le serait ainsi. Dieu n'a pas parlé comme ça ce soir. Quand parce que Dieu m'a fait du mal, ne serait pas ainsi. Il n'a pas fait ce qu'il lève sa main. Moi, nous sommes allés à l'école. Dans le travail, moi, ce qui va être toujours. Un tel et moi, nous sommes mariés ensemble. Dans les enfants, et Dieu m'a laissé. Un tel et moi, on a commencé le commerce ensemble. Moi, c'est les mots qui roulent et moi, je n'ai rien. Quelqu'un qui n'a pas parlé ainsi, c'est Dieu qui a fait. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a trompé. Femme, homme, parle tous ainsi aujourd'hui. Dieu n'a pas laissé personne. Adam n'a pas échappé. Serpent n'a pas échappé. Et il faut vous accuser et venir seulement. Nous sommes tous noirs comme des étomélies. Faites votre possible toujours. Personne ne peut accepter sa faute. Et que Dieu le soit pour le pardonner. Même si quelqu'un tue quelqu'un. Qui a dit mot. Et par le pétiche. Qui a son lot. Par la sorcellerie. Et dans qui est mal. Il dit que c'est lui qui a fait. Et comme ça, je l'ai tué. Ah, c'est là. C'est pas ici. Non. C'était ici. Si vous prenez un fouet,
Vous frappez votre enfant. Elle est dans le milieu de ma mère. Dites que l'enfant n'a pas bien fait. Personne n'accepte porter ses propres fautes. Dieu a bien fait pour toi. Il a tout donné entre les mains de l'homme. Mais eux n'ont pas accepté. Ils ont commencé à s'accuser. Adam dit que c'est la femme qui a donné à manger. Et la femme dit que c'est ce mec qui l'a trompé. Comme on disait que c'est Fabrice, il t'accepte. Mais ce soir, moi qui suis là en train de parler ainsi, on dit qu'il peut parler. On va dire qui m'a flatté. Le problème que tu as porté sur toi et tu as assisté, et tu t'as flatté. Est-ce ta femme? Est-ce ton mari? Est-ce ton disciple? Est-ce ton pasteur? Tu vas dire à Dieu de qui t'a flatté. Le malheur que tu as commis, tu as assis ici. Tu vas dire qui t'a flatté de faire cela. Vous voyez, il a dit de la bénir, de remplir la terre. Et vous avez repoussé la terre par l'enfantement. Regardez le meurtre parmi vous. Regardez le mal qui se trouve parmi vous. Et le maître a commencé par Caïn. Il a tiré son frère Abel. Un tel a dit, et puis les enfants du diable sont nombreux maintenant. Eux aussi travaillent. Si nous ne faisons pas attention, ça a été béni. Et ça sera que le figuier avec les feuilles dans le foyer qui ne tue pas l'autre. Les enfants se tuent dans l'église qui ne tue pas l'autre. Parmi les pasteurs qui ne tue pas l'autre. Vous me regardez pour me faire quoi? Que pouvez-vous me faire? Ne vous tuez pas entre vous. Mais ça vient. La pluie se prépare, ça ne peut pas ne pas venir. Si le feu prend la terre, la vanne ne va pas échapper. Si vous prenez la Bible pour lire, et Jésus a dit, quand ces choses vont arriver, faites attention. Quand le temps est devenu court, ils ont rempli la terre par le monde. Tout est multiplié. Mais Haya, regardez le malade qui se trouve au milieu. Vous allez accuser qui? Chacun avait le problème, il attend. Pour que s'il allait dire que c'était une affaire, il allait accuser l'autre. Mes frères, que Dieu nous aide à nous chercher nous-mêmes. Et de ne pas s'accuser mutuellement. Si vous lisez dans Genèse chapitre 22, verset 9 à 19, ce que Dieu a demandé à Abraham de faire, Abraham a accepté de faire ainsi. On lui a demandé de prendre son fils, aller dans la brousse. Pour faire un sacrifice pour lui donner. Abraham a fait une marche de 3 jours. Pour amener Isaac, pour aller faire un sacrifice pour donner à Dieu. Abraham a reçu la promesse aussi. Comme quand Dieu a dit à Adam, il devenait sur toutes choses. Ici, Dieu a frappé sa patrie. Pour dire que sous le ciel, c'est comme si tu ne connaissais pas l'homme. C'est comme si Abraham était déjà parti de la création de Dieu. C'est comme si Abraham était un étranger. Ne m'a pas épargné ton fils. Je tape ma patrie. Je suis par moi-même. Parce que tu ne l'as pas épargné. Lève ton regard vers les étoiles dans le ciel. Et regarde le sable au bord de la mer. Il sera que ceux d'Israël.
Et nous en serons ainsi nombreux. Mais est-ce que cette multitude est bénie? Comme les étoiles nombreuses, est-ce que ce sera utile? Les affaires qui seront comme le sable au bord de la mer seront utiles. Non. Mais la vie que c'est à cause des petits enfants que le monde sera béni. Cela veut dire la maison de Anna est tombée. Le côté que Dieu avait donné à Adam devient une malédiction. À cause du puissant de Abraham, ils ont implanté une nouvelle alliance. Ça veut dire que Jésus viendra parmi les petits-enfants de Abraham. Christ est le petit de David. Croyez-vous que où se trouve la bénédiction du monde? Quand on dit qu'elle est bénie, c'est quoi exactement? Toi qui es assis là ce soir. Quoi qui peut dire que tu es mis sur le ciel, c'est quelle bénédiction? C'est Jésus qui est parmi les enfants de Adam, qui a amené le salut. C'est là que Dieu a promis à Abraham. C'est pas notre or et notre argent. C'est Jésus qui est la voix de la bénédiction. Il a amené le sang. C'est la puissance du sang de Jésus. C'est à cause de la croix que nous sommes là. Nos grands parents, jusqu'aujourd'hui, ne pas rassembler les gens ainsi. Par quelle croix se vont rassembler les gens? C'est à cause du petit enfant de Abraham que nous sommes présents là ce soir. Mais faites attention à nous-mêmes, car il y a toujours un piège. Voilà. Car, et Yamsankaram, quand chapitre 12, disait dans Deutéronome chapitre 15, jusqu'au verset 21, la Bible nous dit, le premier il a dit, ne tue pas, tu ne tueras point. Deuxièmement, ne commets pas l'adultère, même si tu ne progresses pas. Mais les gens ont dit que l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance n'est pas la même. Jésus était mort sur la croix, l'adultère n'est plus interdit. Regardez, le diable a mis des gens dans le sac. Regardez, le diable a mis des gens dans son sacoche. Jésus n'est pas venu pour détruire la loi. Il est venu pour l'accomplir plutôt. Donc, dans la nouvelle alliance, l'arme de Adam existe toujours. Tu vois la femme courte et claire qui ne va pas 1 mètre. C'est l'arbre de Adam. C'est juste la touche. Si tu manges elle, tu as pris le direct en enfer. Tu vois la femme mince. Comme vous avez entendu. C'est sa femme aussi, elle a mangé, c'est sûr. Tu peux la mettre sur l'épaule. Ou le mettre dans ton sac pour te promener. C'est le feu que tu portes. Ça reste toujours. Après qu'on fait des visites à Dieu, Jésus a dit. Pour Moïse, là, c'est quelque chose qui n'est pas pesant. Je te dis, si tu la regardes avec des mauvais désirs dans ton cœur, quand tu n'as pas couché avec elle, les gens commis la terre avec elle. Amenez le lieu où les gens sont en train de se pavaner. Jésus dit qu'il ne parle pas dans la terre.
regarde là seulement. Il faut qu'elle fonde. Et qu'elle prenne place dans ta tête. Bonjour, Marmanet. Et déjà aller avec elle. Reviens, Karamam. J'ai peur. Comme les Runa. Où est-ce que nous nous trouvons maintenant? Et là, on a un rien qui est. S'il mange, il va mourir. Et là, on est là. On te dit aussi. Frère, tu vas mourir. Chaque jour, tu vas mourir. Chaque jour, tu vas mourir. Ne sois pas d'aliment de ton voisin. Ça va t'arriver. Et nous nous querons. À cause des églises. Raconte qui est là ici. J'ai cherché le jour et ce soir. Et ici, on n'a pas eu deux ou trois pasteurs. À moins qu'ils soient cachés dans la brousse. Pourquoi ils ne viennent pas? Et nous sommes assemblés là pour des gens qui veulent s'arrêter. Et le problème entre eux seulement. L'autorité, si l'autorité viendra. Si l'autorité viendra. Il y a un problème là-bas. Écoutez. L'indépendance est venue. Mais le Mossi demeure Mossi. L'indépendance est pris. Nous avons étudié. Ça donne la liberté. Et les Noirs aussi ont des nations. Vous pouvez votre part. L'armée là. Et vous associez dans le même plat. Cela veut dire. On va sortir le tour et on va manger. Mais pendant le sommeil, chacun rentre dans la maison de sa femme. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Vous pouvez dire. Et quand je dis que indépendant, depuis que nous sommes indépendants, quand le tien. Depuis que nous sommes allés à l'école, on parle le langage des blancs. Et les petits ne comprennent pas le français. Quand on prend les femmes de la famille alors, parce qu'ils ne comprennent pas le français. C'est le Wamangé les arbres. Le fantôme ne comprend pas le français. Il faut essayer pour voir. Tu vas voir quelque chose qui est si grand comme d'ici sa cuisse. Si c'est ainsi, faites pardon et priez Dieu. Ne laissez pas l'église alors. Si les coutumes n'a pas autorisé. Et nous qui sommes dans les avions pour s'envoler et qu'on conduit les véhicules. Et moi qui suis la personnalité, si je suis député, si je suis ministre, si je fais, je dépasse ma famille, je prends la femme de ma famille. Quelqu'un a une chambre pour prendre ta place, bien sûr. Ici, trois jours seulement. On va lui demander si ça va être. Il a pris la femme de la famille. C'est pour cela. On ne se fâche pas avec notre religion. On ne se moque pas de notre Dieu. Regardez la coutume. L'église a changé. Où elle n'a pas changé? C'est changé ou ce n'est pas changé? On y est pour ça, le roi Kata. Et nous, au temps où on faisait la cour aux filles, si tu vas, tu vas comme quelqu'un qui va acheter une chose. Pas aussi le regard de loin et l'autre le regard de loin. Et l'église et le pasteur, ceux qui vont s'entendre, s'il n'y a pas d'unité dans la famille, avec eux, peut-être vous allez vous entendre. Ce n'est pas vous qui allez parler vous-même, les gens parleront pour vous. Même si vous parlez, allez ensemble, ce n'est pas celui qui veut la jeune fille qui parlera.
C'est les accompagnants. Ils vont parler et tu vas te mettre à l'écart. Bonjour, pas approcher d'abord. C'est pour ça qu'il y avait une gloire. La famille de la femme sait. L'église est au courant. Ton église est au courant. Ton pasteur sait. Il y a 6 témoins. Et Dieu est ajouté à tout faire. Mais aujourd'hui, voici, on détruit la famille. On détruit la famille. Voilà pourquoi le mariage n'est plus vraiment précieux. Qui a appelé pour avant que vous commencez? Qui a si tant vous avez fait la cour? C'est un mariage qui se fond. L'enfant est grand pour aller déjà à l'école. Regardez, tu as un bâtard pour venir. Est-ce que c'est toi seul? Je vais vous parler, je vais vous dire bien sûr. Et allez dire quoi? Si on te voit, 60 ou 50 ans de cela, et tu vois une fille qui est à côté d'elle. Tu es libéré à même temps. Tu vas trouver une femme dans l'église encore. Quoi? Tu veux une femme? Va chercher. Mais aujourd'hui, vis-à-vis. C'est vis-à-vis. Vous allez vous raconter seulement. Vous allez parler de votre église. Vous allez votre marché. C'est pour toi ici de lui. Je vais passer en 100 ans quand je marie. Toi, entre vous deux seulement. Et la chèvre et l'autre, c'est Satan. Vous allez attendre le mariage. Voici l'église qui ressemble maintenant au monde. C'est ça que je voudrais vous dire. Faisons attention. Car la parole n'a pas empêché la malédiction. La Bible dit que l'âme qui a péché mourra. Vous pourriez tenir ça ensemble. Vous êtes de la maison de Dieu. On va le détruire aussi. N'a pas détruit l'église avec la terre. N'a pas détruit l'église de Dieu avec le maître. N'a pas détruit l'église avec le vol. N'a pas détruit l'église avec l'alcool que tu bois. N'a pas détruit l'église avec la haine. N'a pas détruit l'église avec les bourreaux. La paix n'est pas l'église de Dieu qui ont fait ça. Est-ce que c'est pour rien? Ce n'est pas pour rien. Les choses s'est passées certainement. C'est cela qui fait. Les gens ne sont plus ensemble. L'amour, c'est la bouche, les paroles. Moi qui suis arrivé ici. Si tu vois que les gens qui parlent, tu n'auras plus la solitude, tu vas prêcher même. Je suis la publicité. Après avoir lu ce film. Mais Dieu écrit tout. On va se retrouver prochainement. Voyons. Soyons sages pour nous-mêmes. Jean 3, 16 nous dit. Dieu a tant aimé le monde. Envoyez son Fils unique. Celui qui croira en lui ne périra point. N'avez pas vu la promesse. Celui qui croit en Jésus ne périra point. S'il croit, aura la vie éternelle. Et Jean 15 nous dit, je suis l'arbre de le vignier. Le sec. Mon père est le vigneron. Vous êtes les branches. La branche qui portera les fruits. On va les demander. Elle portera beaucoup de fruits. Et là, la branche ne portera pas de fruits. C'est comme une branche qui est sèche.
On les apporte pour mettre au feu. Nous pouvons changer la parole de Dieu. Et ça, en mes cas, tout ce qui est présent, êtes-vous croyant, portez-vous des fruits, obéissez-vous à Dieu, craignez-vous Dieu, est-ce que vous avez dit sa promesse? Voici les fruits. Portez-vous des fruits pour Jésus. Il a promis. La promesse ne peut pas ne pas s'accomplir. Aïe. Non. Ils vont nous nourrir. Ils vont nous faire boire. Nous allons bâtir. Nous allons nous amener dans les avions. Nous allons faire beaucoup de choses. Mais il n'y a point de vie. C'est toujours la mort. Si nous n'entrons pas au paradis, c'est la mort seulement. Qui va aller à l'écouteur au paradis? Ah! Il a dit, si vous ne portez pas le fruit, vous êtes comme une plante qui est sèche. C'est ça qu'on prend pour mettre au feu. C'est le fruit de Jésus cherche. Les cultivateurs qui disent vous cherchez des grains. Lui qui a versé son sang sur la croix. Pour vous, c'est jamais vous payez vos mains. Et si la pluie ne vient pas, vous payez. Regardez quelqu'un qui a pris 5 sacs d'engrais. Et l'arachide n'a pas produit. Est-ce que toi tu as produit? Apporte les fruits quand tu as l'église, on va voir. Regardez, tu ne produis pas que la suite ne produit pas aussi. Alléluia. 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 Que Dieu nous aide. L'œuvre qui s'accomplit. Quand vous voyez Jésus qui a pris les deux pains et les poissons, il a levé les mains. Il est reçu. Et il a abaissé. Il était au premier pas. De partager à la foule. Ce que vous faites, votre dîme, vos offrandes, c'est ceci. Vous avez donné à Jésus quelque chose. Il va multiplier cela. Il va bénir cela. Ne pas manger quand vous allez finir avant de quitter le ciel. Vous allez manger sa votre mort et partir donner aux enfants. Mais ce n'est pas là le problème. Nous sommes allés dans le ciel sur la terre. Nous allons laisser ça aller dans un autre pays. Qui veut demeurer là? Tout va passer. Regardez toute cette foule. La terre va consommer tout ça. Avec moi aussi. Malgré que je parle trop, je vais partir. Si vous n'avez pas attention à cause de cela, vous allez prendre tout ce que vous allez abandonner sur la terre. Il y a des gens qui ont construit des étages, ils ne peuvent pas les nombrer. Mais ils ne considèrent pas l'église. Il n'a jamais arrivé sa richesse pour payer une moto ou un véhicule pour donner à un pasteur parce qu'il s'efforce. Il construit tout sur terre. Il sait que des tombeaux seulement qui s'aillent. Voici une tombe qui est montée. Notre tombe est montée par là-bas. Il monte cela seulement. Quand on est dans l'église, Dieu qui l'a accompli là-bas, tu ne verras point. Vous qui êtes assis ici là. Si tu n'as pas 5 francs à la banque, la caisse populaire, si tu n'as pas 1 franc là-bas, il faut rien dire. Et ton beau-père meurt, et tu mets ta daba à l'épaule. C'est pour nous le quartier ici. C'est moi le chef du quartier. Et mon beau-père est mort. Je viens à la banque pour donner quelque chose de là-bas. Si tu parles que la police t'attrape. C'est ainsi avec l'œuvre de Dieu également.
pour l'église. C'est aussi pour être vieux aussi. Vous avez gardé quoi pour aller récupérer? Si vous gagnez que je vous demande, et quand vous allez à la fin, vous êtes des libérés. Je ne veux pas te libérer d'abord. Un pasteur a pris la retraite. Il avait 15 enfants. Et quand la femme prend sa première grossesse, on lui a dit que vraiment tu es libéré. Elle dit oui. Tu as été libéré. Les 14 enfants sont à venir. C'est toi qui vas les enfanter. Matthieu 28, verset 18. 16. Jésus les a parlé à ses disciples ainsi. M'a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de tout le monde mes disciples. Comme nous avons entendu à midi. Vois ça, le chef de l'église. Traite le monde entier. Qu'ils abandonnent leur mal. Qu'ils abandonnent le meurtre. Qu'ils abandonnent l'adultère. Qu'ils abandonnent l'alcoolisme. Qu'ils abandonnent la tromperie. Qu'ils abandonnent le mal. Qu'ils soient mes disciples. Quand je vais aller préparer et venir les chercher. Mais aujourd'hui, c'est le monde qui transforme l'église qui devient comme le monde. Vous avez tout pouvoir sous le ciel. Qui a déjà parlé ici? Laissez tout pouvoir. Non. Aïe. De la royauté. De la richesse. Mais il va mourir. Mais Jésus a dit. Toute puissance dans le ciel et sur la terre, j'ai cette puissance dans la main. La clé. Jésus, moi, ne va pas vous saisir. C'est une puissance qui a triomphé. La croix. Amen. Une puissance qui a été le feu pour nous. Et nous devons nous préparer pour aller entrer seulement. Préparer, nous allons aller. À la vie, Dieu nous attend dans le ciel. Le diable est rusé. Il a dit. La femme a dit. Cette femme a trompé. Nous sommes là ce soir. J'attends que nous soyons comme les îles de Boumigo Barrage. Le mot de l'île de Boumigo. Il faut aller à Bayou. Tu ne dois pas y aller comme ça. Il faut rater Yahoo. Il devait être ainsi. Salomon a dit, si tu vas avec un riche, fais attention à ce que c'est devant toi. Pour pouvoir retourner chez toi en douce. Si tu fais cela, tu vas devenir meurtrier. Tu vas haïr celui qui est ici. Tu veux être ainsi. Alléluia. 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 Quelqu'un me suit, mon roi. Le diable est très rusé. Dieu nous a honorés avec la vie éternelle. Quand nous sommes avec nous, nous ne voyons pas. Il s'est fait pour mettre un mur devant nous. Et nous allons manquer de triompher. Nous sommes chanceux. Jésus a dit, nous donne cette puissance. Il nous donne cette puissance. Nous savons la puissance. Et Marc 16, 14 nous dit, vous allez saisir la serpent. Vous allez parler en langue. Vous allez boire du poison, du vénin. Vous allez tromper sur toutes ces choses. Ainsi,
L'autorité que Dieu nous a donnée. La puissance, nous avons. Il a adonné Adam a reçu. Dieu remplit la terre par l'enfantement. Mais il n'y a pas de salut à Allah. Il n'y a point de vie la à ça. Mais là, il reçoit toute puissance dans le ciel et sur la terre. Je vous donne l'autorité. Allez-y et prêchez. Chassez les démons. Chassez les malades. C'est ce que nous donnons à l'église. Nous avons cette autorité. Les puissants de ce monde sont dans les mains de l'église. Même quand il a dit, priez Dieu, priez la paix. C'est pas trompé de voir. La paix que nous avons, nous possédons. Ils n'ont pas cette possession-là. Vous avez les clés. Priez la clé du ciel. Priez le côté de Dieu. Alléluia. Celui qui a fait de parler, il y a 30 ans de cela, on parlait, on disait, quand on va le saisir, me saisir moi. Tu veux me saisir. L'attraper. Je parle de ce qui est dans la parole de Dieu. Si les rois ne sont pas des drones en fer, c'est Dieu qui a donné la autorité, c'est vous qui avez donné la réalité. C'est vous qui avez donné ou c'est Dieu qui a donné. Nicolas est venu vers Jésus. C'était un grand dignitaire en Israël. Il avait la connaissance. Mais ce que Jésus est venu accomplir, ça l'a effrayé. Il est venu de lui pour demander ce que c'est la foi. Vous êtes là pour écouter. Écoutez. Jésus a dit ce chemin, la vérité et la vie. La religion est facile. Ne suis pas comme des démons. Connaissez où la ou pas la foi. Là au paradis où on a fait. Vous voyez quels sont les fruits du chemin. Avant de suivre. Jésus a dit que si le chemin, la vérité et la vie, personne ne pourra arriver sur mon père sans passer par moi. Il est ici même. Même ceux qui écoutent dans les autres religions, ceux qui ne peuvent pas tout dire, chaque fois ils cherchent la voix. C'est ce qu'on est la voix. Les papas Bontanga, papa Melo, les autres personnes, ils ont fini de lire, ils ont trouvé ce passage, ils ont pris cette voix-là. Il ne faut pas étudier seulement au hasard. Le chemin. Jésus est le chemin. Que Dieu vous aide. Car le progrès du chemin vient. On ne va pas aller plus loin que ça. C'est que nous prions le Seigneur. La fin. Acte 1:8. Recevez une puissance. Parce qu'il n'y a pas la puissance au temps de Adam. Après ce que Dieu avait eu, il n'y a pas la puissance. Quand le diable est arrivé seulement, parce qu'il a vaincu. Matthieu 4:1-14. Jésus a gêné. Et il a reçu la puissance. Il parle qu'il va aller faire tomber cette maison aussi. Jésus va lui dire, l'homme ne dira pas de paix. L'homme ne dira pas seulement de pain. Il doit penser à cela aujourd'hui. Ne pouvons pas vivre seulement par le pain. Nous ne pouvons pas vivre ainsi. Nous ne pouvons pas être jaloux de ce monde. Notre œuvre est mise à part. Est-ce que je ne mangeais pas? Est-ce qu'il ne mangeait-il pas? Il mangeait le pain avec ses disciples. Mais pourquoi dans Matthieu 16, ce pain des disciples? Il a dit qu'il était toujours en train de manger. Il n'y avait plus de prédication. Il mangeait seulement. Tous les jours. Ce soir.
Que Dieu nous aide et qu'il vous mène. Recevoir la puissance. Il y a des témoins de Jésus. Nous sommes les témoins de Jésus. Le reste nous appartiendra. Sous péché, la parole de Dieu. Un ministre qui se convertit. Sa dîme vient dans votre église. Même si le roi de votre pays rentre, devient chrétien. Il travaille avec Dieu aussi. Est-ce que tu vas prendre l'argent? C'est le passé que tu vas prendre. Prêchez pour que les grâces se convertissent. Vous avez des millions, vous êtes là. Et ton bœuf ou ton animal est mort. Quand les seigneurs de Dieu différentes choses. La culture et l'élevage. Et la mort a tué les poules. Et le chien aussi est devenu fou. Devez-vous frapper le monde pour prendre tout en possession. Et prendre les gens pour la richesse. Alléluia. Le Seigneur, c'est Dieu qui vous a donné. Attends, ne pouvez pas tomber dans une calebasse. Appelez de la puissance. Nous avons la puissance. Nous allons arracher le monde et l'amener avec nous. Implanter dans l'église. Va-t-elle venir ou pas? Va-t-elle venir ou pas? Donc je ne suis pas vieux. Mais est-ce que si je donne 1 milliard, je ne vais pas me marier. Vous êtes fous, vous parlez ainsi. Elle que c'est moi qu'elle veut. Elle veut l'argent. Elle sait que je vais pas tarder pour mourir. Donnez-vous et prends la puissance pour sauver le monde. Quel père vous avez? Recevez la puissance pour appeler le monde. Amen. Va s'arrêter ainsi. Je n'aime pas trop parler. Surtout cela est clair. Je ne peux la puissance. On a promis la promesse. Je ne la puissance. Je suis témoin. Et tu as fait sur le monde. Les rois. Les riches. Les femmes. Les sorciers. Les voleurs. On est venus dans l'église. Amen. D'autres pensent qu'il va aller augmenter leur connaissance. C'est bien. Mais les deux choses travaillent ensemble. Vous avez la puissance du ciel, de Dieu. Vous avez une bonne voie et pratiquement marché. Vous avez la vraie connaissance. Maintenant, vous avez entendu la parole de Dieu. J'ai prêché comme un Dieu doit prêcher. Mais il pas en toi. Pour qu'on puisse gagner le temps. Il y a même des choses ce soir. Est-ce que je pose la question à nouveau? La femme dit que c'est pas qui l'a flatté. Mais toi, tu dis de qui t'a flatté? Pour le veut accompli. Je voudrais, si vous êtes intègre de Dieu, qu'on demande pardon à Dieu premièrement. Vous voulez prendre Dieu et limiter comme Dieu, comme un homme, n'est-ce pas? La femme sortira va payer des condiments. Elle se met de côté pour faire ce qu'elle veut. L'homme aussi sort. Fait ce qu'il a à faire. Ils vont se retrouver. Leurs âmes ne parlent pas. Si ça parlait, quand ils tombent sur le lit, il va parler à l'âme là-bas. Oui.
Dans la lumière, tout est calme. Nous pensons que nous tromper Dieu comme on se trompe dans le mariage. Ça, c'est un problème. Un jour vient. Un jour vient. Dis quelqu'un ici. Même ce que Jésus a dit. Mon Dieu de toute puissance. Son paradis comme au ciel. Sur la terre. Elle nous a accompagné ce soir. Elle nous a accompagné pour télé. Elle nous a accompagné la voix. Nous allons te nourrir. Nous allons te sauver. Nous allons te nourrir sur la terre. Cette puissance là. Allez de brûler la dernière fois. Pour les sorciers du Burkina Faso, ne veux pas me manger. Va manger Jésus avant de m'arriver. Je suis en Jésus. La fin ne va pas m'obtenir. Je regarde, si vous voulez appeler, vous venez. Tous les sorciers au Burkina Faso. Jésus est plus puissant que vous. Jésus est plus puissant que vous. Alléluia. Ce n'est pas possible. Voulez-vous descendre la puissance pour nous ce soir? Voulez-vous recevoir la puissance? La puissance que Dieu nous a donnée. Si nous recevons cela, nous allons tromper sur le monde. Qui veut recevoir cette puissance ce soir? Levez vos mains. Vous allez dans la tombe. Vous allez le rencontrer ce soir. Quand regarde la vie de l'église, c'est la honte. Comme les ennemis avaient trompé sur l'église. C'est comme si le monde veut avaler l'église. Ils n'ont pas accepté cela. Quand ils promettent sur l'église. Donnez-moi toute puissance. Dans le paradis, comme sur la terre. Recevez cette puissance là. Demeurez à Jérusalem. Recevez cette puissance. Soyez mes témoins. Aimez-moi vous suivre. Aimez-moi vous suivre ce soir. Vous cette puissance-là. Vous la puissance de Dieu. Vous la puissance de l'Esprit. Vous êtes un témoin de Jésus. Vous levez vos mains. Faites poser. Je n'ai pas dit de prier. Il y a moins de attendez. Je pense que nous sommes là, on sait. Jésus est au courant. Nous sommes des mêmes accords. On voit le match dans les. Je vais te faire un peu de
Nous sommes soit morts, ou bien Dieu n'est pas parmi nous. Maintenant, prenez les yeux de Dieu maintenant. Écoutez. Dites les invités qui sont là-bas, les 300 ils peinent. Combien d'églises sont vivants parmi ces 300? Comment l'église ont l'esprit de Dieu? Comment l'église ont la preuve? Ou déguerit des malades? Combien d'églises? Tant des œuvres. Moi, ça. Maintenant. Va prendre 5 minutes. Est-ce que pas qu'il s'est esprit? Si ils sont aussi. Et puis de descendre. Peut-être qu'on ne va pas tarder. Il y a des malades à prier tous les jours. Il y a des malades à mourir au paradis et du pas de guérison. Qui a peur de la mort, qui a peur de l'enfer. On prie pour les maladies sans fin. Les pasteurs ont posé les mains sur les gens. Dites au Seigneur, si tu es le Seigneur tout puissant dans le ciel, pourquoi le démon, le lion vole les brebis? Pourquoi l'église est aveugle? Et puis tu es descendu. Ils sauront. Et tu es venu autour de venir. Moi qui suis là qui parle, est-ce que c'est quelqu'un qui crée des problèmes? Donc c'est pas Dieu qui m'a appelé. Si tu t'amuses, avec ta sorcellerie, j'ai prié et salué tes funérailles. Donc j'ai trompé Dieu et Dieu m'a trompé aussi. Avant que j'ai frappé Dieu et Dieu m'a abandonné. Toi qui as dormi pour rêver, tu sauras que quand je vais frapper Dieu, je n'ai pas trompé Dieu. Et serviteur, imposer les mains à l'assemblée. 5 minutes seulement. Il y aura 1000 personnes. Ils seront partis de Saint-Esprit. Et on va laisser pour se reposer. Vous êtes d'accord pour cela? Il y a des gens qui ont dit d'aller imposer les mains. Les pasteurs. Il est devant, en bas, il lève la main. Je ne sais pas si tu manges du tabac ou du tabac. Je ne sais pas si tu manges du tabac ou du tabac. Je ne sais pas si tu manges du tabac ou du tabac. Je ne sais pas si tu manges du tabac ou du tabac. Il lève la main et il passe. Seigneur, il tend ta main, il tend ta main. Impose-lui la main. Vous mangez le chou. Peut le faire ça sur lui. Amen. Levez vos mains. Tout le monde va prier. Les soudains vont descendre. Imposez-leur la main. Les témoins de mon esprit. Que le feu descend du ciel comme la pluie.
Il s'était vivant. C'est que les gens appellent le drapeau sacrificiel. Mais aujourd'hui, on ne sait pas. Ils sont tous les mêmes. Et là, le roi sera la puissance. Préparez-vous des vaillants à Paris. Le feu dans le ciel. Et il vient. Ce sera un témoignage. Vous avez vu? Ceux qui tombent, prenez-les devant, même dans le fossé. Un chrétien qui vient prier qui tombe. Le but a frappé. Levez vos mains. C'est eux les vrais de l'église. Il faut les frapper. Frappez-les à terre. On va les entraîner pour sortir. Alléluia. 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 Amen. Levez vos mains. Quand ça vient, ça vient maintenant. Le tout puissant va descendre. La croix va descendre. La victoire vous appartient. La victoire appartient à l'église. La victoire appartient à l'homme. La victoire appartient à l'église. La victoire appartient à l'église. Allez-y maintenant. Qui sera Wena? Kanga. Kamori. Hey! Montana Saba. Hey! Kangaura. Laissez-les passer pour venir.
Le service de renseignement a permis patienter un moment. Vous allez examiner à l'idée de l'unité du nombre. Va prier pour les malades courtement. Quand le temps est passé, on va vers les 22h. Venez rapidement. Tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Papa de passer de 22h 22h30. Beaucoup ont été baptisés, venez rapidement. C'est l'âme de l'église. Non. On n'a rien d'autre. L'âme de l'église. L'Esprit de Dieu qui est avec nous. On peut avoir marché avec la foi et vaincre. On peut échapper beaucoup de problèmes. Tu peux avoir le pouvoir de pécher à ta famille. C'est l'arbre ainsi. C'est un peu de Dieu. Tu vas terminer par la vitesse de la vie de Dieu. Il y a plus de peur. Si vous êtes là, amenez dans l'église. L'accueil est passé devant pour les amener dans l'église. S'il y a d'autres qui rentrent, n'est pas dans l'église. Voilà. Allez-y dans l'église, s'il vous plaît. Ceux qui sont dans l'assemblée du jour, venez à l'église avec moi. Alléluia. Alléluia. Que le Dieu soit suffisant pour vous. Et que vous marchez plus jamais dans les ténèbres. Une âme qui a dit tout ça qui va vous accompagner. N'est-ce pas qu'on peut s'éteindre? C'est ce que nous accompagnons. Si vous avez un peu de Dieu qui t'accompagne, il a implanté. Le peu de Dieu qui le garde. Le peu de Dieu qui va l'accompagner. Que Dieu nous aide. Et ce soir ici, si tu veux devenir chrétien, et c'est ce temps maintenant, c'est la personne à qui il vient de voir, venez rapidement. Et nous avons arrangé cela. Que ce soit pour les enfants, ou que ce soit pour les ou un enfant, qui a entendu la parole de Dieu, et qui a décidé de donner à Jésus. C'est ton temps maintenant. Le temps, c'est ton temps. C'est ton temps de grâce. Ne dis pas que ça sera demain. Ne dis pas que ça sera après. Ce soir, c'est ton temps de grâce. Viens à présent. Il va venir demain. C'est ce temps maintenant. Viens vite. Quand ta vie a jamais. Elle a la promesse de ce monde. Parce que la promesse de ce monde est passée. Viens vite. Homme, la vie. Oh, la femme, viens. La femme, viens. Viens en partant. Viens en partant. La dernière appel. C'est ce dernier appel. Ne dis pas que t'as pas donné l'occasion. Qui est là parmi les gens qui sont ceux qui sont venus les donner? Qui sont ceux là parmi les gens qui sont venus les donner? Qui l'ont donné la vie à Jésus? Il est là que j'en ai suivi. Je vois ton temps. Venez vite. Parce que le temps. Vous voyez les gens. Si tu veux, viens le suivre. Il faut aller à l'église. Il doit te donner à Dieu. Tant pour ça, tant pour Jésus. Tu en passes.